Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire un direct. Il est 12h49 ici, à 13h19. Je vais arrêter le direct. Donc, vous pouvez partager le direct très rapidement. À 13h19, j'ai arrêté le direct. Donc, je ne vais pas être très longue. Je ne vais pas du tout être très longue. Je me rends compte d'une chose aujourd'hui. Je me rends compte d'une chose aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Partagez le direct. Je me rends compte aujourd'hui de quelque chose. C'est que à chaque fois que tu viendras sur les réseaux sociaux avec un message différent, à chaque fois que tu viendras sur les réseaux sociaux avec un message différent, c'est-à-dire tu viens avec un message de moralisation pour parler de Jésus-Christ, pour parler de Dieu, pour parler de l'amour des êtres humains. On va toujours mal te comprendre, on va te détester et à la fin, on va t'insulter. Je ne fais pas ce direct pour répondre aux gens qui m'insultent, aux gens qui croient qu'ils connaissent ma vie privée, aux gens qui m'ont donné tous les noms sur les réseaux sociaux. Je ne réponds pas, je ne réponds pas à ces personnes-là. Je ne fais pas de clash et je ne ferai jamais de clash. Je ne réponds pas à ces personnes, je prends juste mes propres responsabilités et j'ai décidé aujourd'hui de sortir des réseaux sociaux. J'ai décidé de sortir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que vous voyez là. Les réseaux sociaux que vous voyez, je ne peux pas porter plainte. Je suis au Cameroun. Je ne peux pas porter plainte. Je prends l'engagement aujourd'hui. Les réseaux sociaux que vous voyez là ont une énergie. Satan vit dans les réseaux sociaux. Il y a une énergie dans les réseaux sociaux. Et l'énergie qu'il y a dans les réseaux sociaux font que quand tu commences à répondre à un, tu vas répondre à mille. Et c'est comme ça que le diable va venir entrer. Le diable va venir entrer. Quand tu commences à répondre à un, tu réponds à deux. Et c'est comme ça que le diable vient entrer dans ton cœur. Et il te localise. Je ne suis pas des dents. Je ne suis pas des dents. Les réseaux sociaux, je ne suis pas là. Vous m'insultez, vous mentez sur moi, vous racontez les choses sur moi. Je ne suis pas là. J'ai voulu donner les conseils à la jeunesse camerounaise. J'ai voulu que la jeunesse camerounaise puisse comprendre qu'il y a des grandes sœurs comme nous, il y a des mamans comme nous qui sont passées par des choses et nous sommes sortis vainqueurs. Nous avons réussi à nous en sortir de façon propre. Je vous ai même dit que je suis arrivée à un niveau de ma vie où je ne sors plus avec un homme marié depuis 2012. Parce que j'ai compris ce qu'il y avait comme piège à sortir avec un homme marié. J'ai donc décidé d'arrêter. Les conseils à la jeunesse, je ne suis plus dedans. Parce que chaque fois que je vais conseiller la jeunesse, quand je vais dire un truc, on va récupérer ça. On va aller transformer. Et ça va se retourner contre moi. J'ai voulu faire la différence. J'ai voulu dire que non, tu peux être dans les réseaux sociaux, mais tu n'es pas dans les clashs. Tu peux être dans les réseaux sociaux, mais tu n'es pas dans le faux. Tu peux être dans les réseaux sociaux. Et ton travail, c'est de sensibiliser la jeunesse. De parler d'amour, parce que je parle d'amour, j'ai une émission d'amour.
J'ai rêvé. Mais je me rends compte que mon rêve n'a pas marché. Aujourd'hui, les gens se sont retournés contre moi. Les gens ont dit, Solange, tu ne devais pas attendre que... tu ne devais pas profiter du deuil. On profite de quoi? Tama Tchentche, bonjour. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de deuil, de joie. Parce que dans la maison de deuil, chacun pense à son devenir. Je ne suis pas fragile, Junior, mais je ne veux plus. Ce n'est pas un problème de fragilité. Je suis une mère. J'aide la famille. J'aide les enfants. Quand on envoie des vidéos immondes à mes enfants, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire Facebook comme les autres. J'ai toujours été différente. Parce que je ne veux pas. Je ne suis pas fragile. Mais moi, je vais vous dire une chose. En amour comme en amitié, quand tu m'énerves, je pars. Tout le monde qui me connaît, c'est ça. Même si je t'aime plus que ma mère, si je suis mal à l'aise, je quitte, je sors de là. C'est comme ça que j'ai toujours été dans ma vie. Je ne sais pas insister sur quelque chose. Les gens n'ont pas pris le temps de regarder mon direct. Les gens n'ont pas pris le temps d'écouter ce que j'ai dit. Les gens n'ont pas eu le temps de regarder ce que j'ai dit. On s'est levé. On a coupé des parties de vidéos. On est parti mettre par-ci, par-là. On m'a insulté. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. C'est bon. Gagnez-moi. Vous m'avez gagné sur Facebook. Vous avez dit que je suis un tas de graisse. J'ai fait exprès aujourd'hui de porter une jupe droite. Et d'être debout pour que vous voyez. Donc, je ne veux pas. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je ne peux pas craquer, mais je sors. Je ne vis pas de Facebook. Facebook ne me donne rien. Pas d'argent. Rien du tout. Mais j'ai décidé de sortir de vos choses. Je ne donnerai plus mon avis. Quand il m'arrivera de faire des directs, merci, merci belle, je t'aime. Quand il m'arrivera de donner mon avis, je ferai mes directs d'amour que vous connaissez, mes directs de Love Night, mes directs sur les problèmes des gens. Que, oh maman, mon gars m'a barré. Ceci, cela. Je voudrais remercier Amer Kamer parce que nous avons discuté, lui et moi. Et il m'a dit, Marceau, je reconnais que je suis allé un peu loin parce que ce que j'ai entendu,
ce que j'avais entendu, ce n'est pas ce que j'ai vu. Parce qu'il a regardé même la vidéo après. Il m'a dit, je te demande des excuses. Moi, mon travail, mon unique travail était seulement de dire à la jeunesse, nous ne voulons plus les gens qui meurent jeunes. Mes amis, n'étalez plus vos vies sur Facebook. Mes amis, parce que là où nous sommes là, les gens aimaient Gabriel. Mais il y avait beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas contents du fait qu'il étalait. Il n'est pas le seul. Je vous ai dit, n'étalez plus vos vies privées. Même ton mariage. Même si tu arrives d'être amoureuse, comment? Même si tu aimes ton homme plus que tout au monde. Si tu aimes ta femme plus que tout au monde. Ne viens plus étaler ta vie sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Discrétion. Rions sur les réseaux sociaux. Blaguons sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de vie privée, gardez ça. Et c'est les choses de la vie privée qui font en sorte que aujourd'hui, on peut tout dire sur les gens. Maman, même si tu es riche, maman, même si tu as l'argent qui se verse, même si tu as l'argent qui se verse, ne viens plus étaler tes choses sur les réseaux sociaux. Ne viens plus. C'était ça. Et je disais aux influenceuses, aux influenceurs, d'arrêter de faire rêver la jeunesse. La jeunesse n'a pas besoin de ça. La jeunesse a besoin de... La jeunesse a besoin des jeunes battants. La jeunesse a besoin des jeunes qui travaillent à la sueur de leur front. La jeunesse n'a pas besoin des rêveurs. Moi, je ne fais pas rêver les gens. Je vous ai déjà tout raconté sur ma vie. Je vous ai déjà dit comment je vendais mes habits en Dokoti. Je vous ai dit que quand j'ai commencé la radio, je touchais 40 000. 40 000 que je touchais à Cori FM. Je suis entré à STV, 80 000. 80 000 francs que je touchais. Mais je ne me suis pas découragée. C'est juste... Je dis que un coup direct. Un coup direct. Personne ne me fait fuir Facebook. C'est que je ne veux pas que les énergies qu'il y a sur les réseaux sociaux entrent dans ma vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai remarqué quelque chose. Je vais terminer. La plupart de gens qui insultent les gens sur les réseaux sociaux ont la photo de M. Zogo qui est décédé, du journaliste Zogo.
Monsieur Zogo est un homme de paix. C'est un très grand journaliste. Un grand journaliste. Vous mettez sa photo. Vous mettez sa photo. Vous mettez sa photo. Et c'est comme ça que vous venez insulter les gens. Je donne les conseils à la jeunesse. J'ai toujours donné de bons conseils, même avant le départ. Les gens qui me suivent, c'est pour ça que j'aime les gens qui sont derrière moi. Il y a des gens qui m'ont écrit l'autre jour en disant que ma... Donc c'est lui qui t'avait dit ça. Parce que j'avais déjà raconté, même à la télé. J'avais déjà raconté cette histoire. Quand un jeune est venu me voir, il m'a dit si, 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 si. Mais je n'avais pas donné le nom. Les gens qui me suivent sont venus écrire l'autre jour que ma, donc c'était lui. Oui. J'étais obligée de sortir le nom parce que je ne veux plus voir un jeune mourir. Je ne veux plus. Aujourd'hui, le bling-bling, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis, s'il vous plaît, jeunes, sortez des réseaux sociaux, sortez du bling-bling. Travaillez fort. Et quand vous allez travailler, vous allez voir comment votre vie sera belle. La vie n'est pas facile. Je sais. Au Cameroun, alors, c'est même très difficile. Je vous en prie, les réseaux sociaux. Elle a détruit les mariages au Cameroun pour venir livrer. Si vous connaissez un seul mariage, que j'ai détruit, dites-moi. Quand quelqu'un essaye de vivre bien, il faut suivre cette personne. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai terminé pour ce direct. Désormais, moi, vos histoires de jeunesse, parler à la... Je ne suis plus là. Aujourd'hui, je vais parler. Ibe-moi pour les nudes. Vous verrez ce qu'on appelle. Maman, oh. Vous avez mes nudes. C'est la magie. N'importe quoi. Pardon, fichez le camp. On vous a dit que je suis comme les autres. C'est moi qui dis tous les jours. Tous les jours aux gens. Que ne vous, ne, même si un homme t'aime comme tout, ne lui envoie jamais tes nudes. Vous dites que vous avez mes nudes. N'importe quoi. Pardon, fichez-moi le camp. Je suis une grande dame. Je suis une servante de l'Éternel. Je suis une servante de Jésus-Christ. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. Ce n'est pas les badjonabakana. Je suis une enfant de Dieu plein. Je dis bien plein. Je suis fière d'être une enfant de Dieu. Je dis bien, je suis fière d'être une enfant de Dieu. Je suis fière d'être une enfant de Dieu, d'être une personne qui essaye de marcher selon la crainte de l'Éternel.
Je vous ai dit que je n'ai pas de problème avec Amir Kamé. Parce que nous avons causé, lui et moi. On n'a plus de soucis. On n'a pas de soucis, lui et moi. On a géré. Mais je suis seulement en train de vous dire que moi, je suis fatiguée. J'ai voulu être trop bonne. Mais trop bonne, je suis devenue trop conne. C'est tout. Je pensais pouvoir parler aux gens comme je parle à mes enfants. Comme je parle... je suis quand même votre aînée, j'ai 49 ans. Comme je parle à tout le monde. Comme j'ai tout dit que je fais le travail sans salaire. C'est ce que je voulais faire. Mais je ne savais pas qu'en le faisant, j'allais creuser ma tombe. Vous ne pouvez même pas. Je ne suis pas dans ça. Celui qui habite. J'ai déjà bloqué. Celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Va faire le régime. Toi, tu vas faire quoi? Ta mère qui a mon âge est comme moi. Vos mamans ont mon âge. Elles sont comme moi. Vous voulez que... Je ne peux même pas entrer dans vos histoires là. Elle est comme moi. Tu as vu une femme de 49 ans comme moi au Cameroun? Arrêtez vos bêtises là. Et une femme qui donne son âge, hora, chaque jour. Je vous aime bien. Je vous dis au revoir. On va se retrouver pour les directs, mes directs de love, mes directs d'amour. On parlera de ça. Pour la jeunesse là, je suis plus là. Au revoir. Vous m'avez gagné. Vous m'avez vraiment gagné.